Put your hands right in mine, let me show you. Alors, je vous présente Mario, le responsable du restaurant Le Moncaï d'Aka, qui a une annonce à vous faire. Mario, c'est à toi. Tu as gagné le défi de la semaine dernière, donc tu auras le droit de choisir deux candidats de ton choix pour venir dîner ce soir au Moncaï. Super. Donc, tu choisis qui, Abim? Jessica, d'abord. Jessica, oui. Ouais. Et Steph. Steph. Donc, vous trois, comme vous l'avez compris, vous aurez l'occasion aujourd'hui d'aller dîner au Moncaï d'Aka. Félicitations. Alors bonjour à tous. Bonjour. Votre défi d'aujourd'hui tournera autour du pain tissé. Un tissu utilisé souvent lors des cérémonies, mariage, baptême. Il a aussi été utilisé par de nombreux grands stylistes pour confectionner des vêtements prêts à porter. Donc aujourd'hui, c'est à vous de relever ce défi. J'espère que vous allez nous faire une très belle tenue, femme ou homme, en fonction de votre choix. Vous serez sous la directive de Oumoussi, que vous connaissez déjà désormais, et ses deux assistants. J'espère que vous allez donner le meilleur de vous-même. Bonne chance. Ce trésor de famille est travaillé avec soin dans les conditions rustiques d'un atelier africain. La technique des tisserands requiert deux ouvriers pour tisser. Le tissage est le produit d'un rythme des va-et-vient de la navette. Le motif du pagne produit un rythme visuel qui est très apprécié, utilisé lors d'un baptême, un décès, une alliance, la célébration d'un mariage ou la conception d'un enfant. Le pagne tissé revêt une dimension mystique et thérapeutique. Le pagne, témoin gardien d'une vie, est comme un double mystique conservé ou transmis comme une relique. Pour la maîtresse de maison, maître de cérémonie, les artisans sont comme des prestataires, des partenaires. Le métier de tisserand est encore vivant aujourd'hui, même si pour des raisons économiques, les jeunes tisserands n'hésitent pas à simplifier les motifs. Certainement, ou à ou pour rien, content.
Tu utilises les franges? Non, non, tu n'es pas obligé de les utiliser. Si tu l'as pas programmé, ne le fais pas. Les autres candidats, eux aussi, ils sont très, 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 très gentils avec moi. Donc, c'est ça. Bon. Mais ça reste aussi une compétition. Donc, je dois m'y mettre parce que j'ai quelque chose à montrer. Je ne le fais pas pour moi encore une fois. Je le fais pour toute l'Afrique. Donc, voilà, c'est ça. Et je vais vous trouver ça parce que je vais vous embouter avec la mode. À la machine, je fais tout avec la main pour montrer ma spécialité et montrer que j'ai quelque chose qui me différencie des autres. Je dirais que je suis plus fort que par modestie, ouais, par modestie, parce que je veux pas être trop confiant et après avoir des déceptions et tout ça, mais je sais que je peux remporter la victoire.
sentimental waw gore kontana gisna sen taxaway dem len du len ragal waw gore kontana ngi kër kër yi liggéey di ko matal waaw góor yeen man bekk na nañu leen yombalal liggéeyu jàppatal te gunge leen yaakaar na Voilà. Maintenant, vous avez travaillé vraiment dur et vraiment très galère. Mais vous avez sorti un bon travail. Mais vous pouvez faire mieux. Et maintenant, je vous souhaite bonne chance. Mangelendi denk yalla ak yonent bi yalla la xalen nak fi ya xeyegul yalla na ngeen am li jassa yu bari 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 amin wala yalla na ngeen raw ñi nga xamne ño fi nek ñun ñi ñi ñu raw lañ soxla kon nak wala yalla baxna. Alors bonsoir à tous et bienvenue au second prime de Style Challenge Africa. Ce soir, nos membres du jury sont Valérie Diouf, icône de mode, Charlotte Seck, rédactrice de magazine, et notre invitée de ce soir, Sophie Hino, qui nous vient tout droit d'Italie. Sans plus tarder, faites place au défilé. Take it lightly. I chose to date it, date it.
Laisser la parole aux membres du jury. Alors bonsoir à vous tous. Donc aujourd'hui, franchement, vous m'avez épaté. Tous, vous avez fait ce qu'on vous a demandé. Là pour l'instant, je regarde, j'essaie de trouver un petit défaut. Je trouve rien. Je suis perdue là. Là, vous m'avez bluffé. Maintenant, peut-être. Le reste du monde du jury. Alors, je vais commencer par Babacar. Je ne sais pas où est-ce que tu as trouvé l'inspiration pour faire cette veste peplum, mais elle est juste parfaite. Tu peux te retourner, s'il te plaît. Les volants sur le bas, tu nous donnes encore une autre touche haute couture et tu emmènes cette compétition dans une autre dimension que on ne s'y attendait pas du tout. On est épatés. Fatou et moi, et je suppose Valérie aussi. J'adore le bas aussi, c'est très bien fait. Ça se voit qu'il y a beaucoup de travail et je pense que tu n'es satisfait que quand tout est parfait. Félicitations. Merci. Et tu peux nous dire ce qui t'a inspiré pour faire cette veste? Je vais dire un petit peu mon point de vue. Alors, j'aime beaucoup Aminata, la femme chic. C'est très beau ce que tu nous as fait. Bravo. Par rapport à la semaine dernière, je pense que tu as bien pris en compte les critiques qu'on t'a fait. Donc, c'est super. Félicitations. Est-ce que quand vous créez un modèle, est-ce que, avec l'inspiration que vous avez, est-ce que vous pensez, par exemple, je sais pas moi, donner un nom à votre modèle? Je suis de voir. Ci tenue bi nga xamanteni défar nako parce que genre tenue daf ma yag neex man dama bëgg lu am classe tek ci portable tenue bi mo def bi passé dama ko def pour oser def ko tenue de chaîne mais man sama for man na fi ci tenue de classe la gëna kiwé ma ngi def tenue de classe portable na fu ne man na dem fu nek man na dem bureau fu ne man na dem réception man na dem fu nek moy utiliser ki pan visé bi ak bazin mom la utiliser. Qui coûte une main de 2 cm. Mon blague, petite qui vient, coûte valeur de couture. Veste le noir, soit veste de nigis, mon pantalon ou le tout bain, mais robe la de dobi. D'abord, de robe devant bi, ma def sama et découpe devant bi, ma def ko veste, mon robe de tibir. Alors, merci pour votre patience. Les juges ont délibéré et on va vous annoncer qui va rester et quitter l'aventure ce soir. Je vais laisser la parole à Sophie. Merci encore. J'ai vu que vous avez tous utilisé quelque chose d'aujourd'hui, ça m'a fait plaisir. Le montage de vos épaules sont tous faits à la main. Même si c'est fait à la machine, il n'y a pas d'épaule. C'est déjà quelque chose. Et je vais vous dire, tous les grands artistes, même les designers, un artiste ne devient jamais riche. Donc il faut le moderniser, être bien encadré, pour pouvoir économiser
ce que vous faites. Merci à Soufino. Donc, j'espère que vous avez pris tous ces conseils à cœur. C'est important pour évoluer, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, à travers la décision des juges. J'espère que vous allez quand même redoubler d'efforts et pourquoi pas autre part que dans cette aventure. Alors, merci aux mannequins. Je vais vous demander de quitter le podium, s'il vous plaît. Le candidat qui obtient la meilleure note ce soir, c'est Babacar. Babacar, encore félicitations. Bravo. C'est très bien ce que tu nous as fait. C'est beau. C'est... Surtout que c'était un rugbyman, comme tu nous as dit. Donc un rugbyman qui peut nous coûter d'aussi beaux vêtements. C'est bon à savoir. Donc je tiens à te féliciter. Aujourd'hui, c'est toi qui remporte le prime. Alors le second qui a fait la meilleure tenue selon les juges. Omar, s'il te plaît. Omar, félicitations. On a bien fait de te rescaper. Ta tenue était très bien, d'autant que tu l'as cousue à la main. C'est très bien fait. Félicitations à toi. Je vais annoncer le troisième candidat qui a fait la meilleure tenue ce soir. Aminata. Alors Aminata, félicitations. Tu as bien pris en compte les critiques de la semaine dernière, c'est bon à savoir. J'espère que tu vas aussi nous proposer de meilleures tenues pour la semaine prochaine. Et encore félicitations à toi. Donc merci à vous trois, je vais vous demander de quitter le podium s'il vous plaît. Merci. Alors vous êtes cinq. Aïssatou s'il te plaît. Aïssatou, félicitations. Tu continues l'aventure. Merci à toi, félicitations. Vous êtes quatre. Je sais que vous êtes énormément donné. Vous avez quasiment pas dormi pour certains. Jessica et Habib, je vais vous demander d'avancer s'il vous plaît. Alors Jessica, je tenais déjà à te féliciter parce que la semaine dernière, ta tenue n'était pas belle, enfin du moins terrible. Mais j'ai vu que tu as bien pris en compte les critiques qu'on t'a fait. Et aujourd'hui, tu nous as donné une bonne tenue, une tenue portable. C'est très joli. Félicitations à toi. Merci. Tu continues l'aventure. Alors, Habib. Habib, la semaine dernière, je te rappelle que tu as gagné le défi. Et cette semaine, malheureusement, tu n'as pas su donner le meilleur de toi-même. Tu restes dans l'aventure, mais sache de justesse. Félicitations à toi. Merci. Momo, Steph, je sais que vous êtes deux passionnés par la mode. Malheureusement, à travers cette aventure, il faut toujours qu'il y ait un qui nous quitte. Alors ce soir, Momo, tu peux avancer s'il te plaît. Momo, la semaine dernière, tu faisais partie des meilleurs candidats, trois meilleurs candidats. Mais cette semaine, il y a vraiment dû laisser aller, je t'ai senti un peu perdu, malheureusement. Ta tenue est très bien, on sait que tu as voulu mettre les traditions en avant. Mais pour cette aventure, Momo, tu vas nous quitter. Merci à toi. Donc Steph, comme tu l'as compris, tu restes dans l'aventure. Mais comme je te l'ai dit la semaine dernière, ne te repose pas sur tes lauriers. Merci à toi.
En fait, je savais déjà que j'allais sortir. Parce que, en fait, les finitions, des trucs comme ça, c'était pas bien fait. Comme ça. Mais j'ai quand même donné le meilleur de moi. Et j'en suis fier aussi. Parce que si je vois le décalage depuis la semaine passée et aujourd'hui, j'ai quand même avancé. Donc voilà, je souhaite les autres aussi bonne chance et de faire très fort. Voilà, et de donner le plus de. Voilà. Donc merci à Style International.